L'approche de pédiatrie sociale en communauté, c'est une approche de proximité pour essayer de réaliser un rêve. C'est comment on arrive à respecter l'ensemble des droits des enfants en même temps. Alors, le droit, par exemple, de la protection, le droit de l'appartenance, le droit d'un environnement sain, là, pour donner des exemples. Comment on réussit en même temps à jouer sur ce terrain-là sans bafouer un droit à côté? Mais ça veut dire travailler tous les déterminants de la santé, ça veut dire travailler l'ensemble des besoins des enfants. Et la seule façon de le faire, ce qu'on essaie de réaliser en pédiatrie sociale, c'est par une équipe interdisciplinaire avec une mobilisation des communautés, c'est-à-dire vraiment la notion du village qui, autour d'un enfant, s'assoit, réfléchit aux besoins, aux droits, à l'action qu'on doit entreprendre ensemble pour accompagner cet enfant-là sur une trajectoire de développement réussie. Et on ne peut y arriver uniquement par des grands systèmes qui sont performants, mais les grands systèmes performants travaillent habituellement en silo. Et le fait d'intégrer toutes ces ressources-là au niveau de la communauté, avec la participation de la communauté, ça facilite les choses, c'est de nature économique très rentable et ça crée des succès chez des enfants qui sont souvent tombés en deux chaises et mal desservis.